ouverte le 30 octobre par le ministre ivoirien des Télécoms et des Nouvelles Technologies, M. Bruno Conné, les 4e assises de la transformation digitale organisées à Paris par CIOMAG ont rassemblé les chefs d'entreprise, des personnalités politiques venus d'Afrique noire, du Maghreb et d'Europe. Le Congo était représenté à ces 4e assises par son ministre de la Recherche et de l'Innovation Technologique, M. Jean-Richard Bruno Itoi, et de Patrick Bongo, conseiller du président de la République, chef du département des postes, télécommunications et nouvelles technologies. Le ministre Bruno Jean-Richard Itoi a eu l'honneur d'animer la première table ronde de la journée, entouré des responsables et de chefs d'entreprise. Introduisant cette première table ronde, le ministre Bruno Jean-Richard Itoi a insisté sur deux points qui, à son avis, restent essentiels pour l'émergence des pays africains, l'innovation et la création d'emplois, surtout l'emploi des jeunes. En ce qui me concerne, deux aspects me semblent importants à ajouter à tout cela. L'un, c'est l'innovation. Je crois fermement que le ferment de la croissance aujourd'hui s'appelle l'innovation. On peut la qualifier d'innovation technologique si on veut vraiment être très précis, mais on ne peut pas imaginer aujourd'hui de générer de la richesse, de générer de la croissance de façon durable, d'espérer devenir émergent, c'est-à-dire de faire partie du cercle restreint des pays les plus performants, à la fois sur le plan économique et sur le plan humain, ce sont les rapports du PIB qui le disent, si on n'a pas placé l'ensemble de son schéma, de sa stratégie de développement, avec comme centre de gravité l'innovation. Je n'y crois pas. Comment vendre plus que les autres? Comment conquérir les marchés? Comment être meilleur que le concurrent? Comment proposer des produits nouveaux? Comment répondre à des offres qui ne sont pas encore ouvertes, si ce n'est pas l'innovation? Et j'aimerais avoir la réponse, je n'y crois pas. Donc, l'innovation est très clairement, non pas la cinquième roue du carrosse, non pas un gadget, c'est le centre du débat aujourd'hui, et je crois que les pays qui aujourd'hui ont le plus de mal à trouver la croissance sont ceux qui ont, pendant les 10 années précédentes, malencontreusement négligé de s'approprier cette réalité qui est la place qui doit occuper l'innovation et la place que l'État, que le gouvernement doit donner à tout ce qui doit concourir à l'innovation. Une fois qu'on a dit ça, évidemment l'innovation concerne tous les domaines possibles et imaginables. Mais le secteur dans lequel l'accélération qu'apporte l'innovation est le plus fulgurant, c'est bien les textiles. C'est là où l'innovation est la plus palpable, c'est là où la réalité de l'impact de l'innovation, la capacité d'une start-up à, en quelques années à créer de la valeur, eh bien, elle est pour l'instant inégalée. Donc au cœur de l'innovation, eh bien, se trouve bien sûr les TIC. Et donc c'est tout à fait pertinent de se poser la question de la façon dont l'Afrique va intégrer cela et intégrer les TIC comme un des accélérateurs les plus importants, si ce n'est l'accélérateur le plus important à travers l'innovation que les TIC apportent dans tous les domaines de la vie, de la croissance, donc de la transformation de l'Afrique, c'est une question extrêmement pertinente. C'est le premier point que je voulais faire. Et donc, cela justifie mon implication parce que l'innovation, eh bien, c'est moi qui en ai la charge. Le deuxième et dernier point que je voulais faire, c'est en matière de création d'emplois. Je crois que la création d'emplois est aujourd'hui la hantise des gouvernements. La lutte contre le chômage est la hantise des gouvernements. Parce que malheureusement, les modèles conventionnels de développement, les modèles conventionnels de croissance ont, dans certains cas, non pas contribué à créer des emplois, mais contribué à créer du chômage. Des pays entiers qui ont traîné des régions entières, voire un monde, ont connu le bouleversement que nous connaissons. Je n'ai pas envie de citer le nom, mais tout le monde sait à qui je pense, parce qu'ils ont oublié, alors qu'ils formaient de façon excellente 80 000 jeunes chaque année, de trouver des solutions pour les employés. Il a suffi que l'un d'eux, sans emploi, ait été bousculé, eh bien, pour que s'embrase un pays, une région et un monde qui aurait pu emporter plus que ça. Pourtant, ce pays était un modèle parfait du point de vue des indicateurs pertinents, macroéconomiques. La plupart d'entre eux étaient plus couverts. La croissance,
l'accès aux services sociaux de base, l'accès aux nouvelles technologies, la qualité de la formation, la qualité de la santé. Mais le talon d'Achille de la faute de la création d'emplois a été sans doute insuffisamment évalué et apprécié dans son impact social, et ça suffit à bouleverser un pays. Donc c'est le talon d'Achille, c'est la plaie. Donc aujourd'hui, une économie qui ne crée pas l'emploi est une économie qui génère de la fracture sociale et qui génère en son sein les germes de l'explosion sociale. Même en affichant des taux de croissance importants, si on ne crée pas l'emploi, eh bien on n'a pas créé du développement inclusif. Eh bien, je ne crois pas à la capacité des emplois salariés à résoudre ce problème. Je ne crois pas à la capacité des fonctions publiques, même pléthoriques dans certains pays, à résoudre ce problème. Mais je suis convaincu que l'entrepreneuriat jeune, s'appuyant sur l'innovation, et notamment dans l'innovation dans les TIC, a tout ce qu'il faut pour générer suffisamment d'emplois pour que, comme certains pays émergents, eh bien, le chômage ne soit même pas un problème, mais au contraire, le manque de compétences locales soit résolu par l'importation auprès des pays voisins. Ce sont les PME, ce sont les TPE, et notamment celles de l'innovation, et entre autres dans le domaine des TIC, qui, de mon point de vue, sont la vraie solution à résoudre cette plaie. Donc, nous sommes au cœur du problème. Et je voulais simplement ajouter ces deux éléments et donner la parole à M. Ducasse pour qu'il continue à conduire ce débat. Je vous remercie.